Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Qu'elle va surgir soudain de la jeune fille maigre, noiraude et renfermée, que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser, seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Tu penses que tu vas mourir, que tu es jeune et que toi aussi t'aurais bien aimé vivre, mais il n'y a rien à faire. Hein. Tu t'appelles Antigone, et tu vas devoir jouer ton rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, tu sens que tu t'éloignes à une vitesse vertigineuse de ta sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme, de nous tous, de nous qui sommes là à les regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir, a priori. Le jeune homme avec qui parle la belle, la blonde, l'heureuse Ismène, c'est Aemon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Pourtant, tout le porté vers Ismène, hein ? Ton goût de la danse et des jeux, du bonheur et de la réussite. Sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone, tu le vois bien. Et un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone qui rêvait dans un coin, les bras entourant ses genoux. Et lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. L'orchestre attaquait une nouvelle danse, Ismène riait aux éclats, et lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais, jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre. Et que ce titre princier lui réservait seulement le droit de mourir, mon petit. Cet homme robuste qui médite là, près de son page, c'est Créon, le roi. Il a des rides, il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Oedipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Oedipe et ses fils sont morts. Alors, il a retroussé ses manches, il a laissé ses livres et ses objets, et il a pris leur place. Parfois, le soir, il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si ce n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres, plus frustes. Et puis, le matin, des problèmes précis se posent, qu'il faut résoudre. Mais alors, il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. La vieille dame qui tricote là-bas, à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie, jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante, mais alors, elle ne lui est d'aucun secours. Créon est seul. Seul ! Avec son petit page qui est trop petit, qui ne peut rien non plus pour lui. Et enfin, ces hommes rougeaux, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres. Ils ont des femmes, des enfants, des petits ennuis, comme tout le monde. Mais tout à l'heure, ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde. Ce sont les auxiliaires, toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes de la justice. Et pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes dûment mandaté leur ordonne de l'arrêter à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner un an chacun sur Thèbes à tour de rôle, se sont entretués aux portes de la ville, et Théocle l'aîné, ayant refusé de céder la place à son frère.
Sept grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les sept portes de Thèbes. Maintenant, la ville est sauvée. Les deux frères ennemis sont morts. Et Créon, le nouveau roi, a ordonné qu'à Étéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, ce vaurien, ce révolté, ce voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement, tu m'entends, puni de mort. Black Lives Matter! Black Lives Matter! C'était beau, tout était gris. Maintenant, tu peux pas savoir. Tout est déjà rose, jaune, vert, c'est devenu une carte postale. Faut te lever plus tôt si tu veux voir un monde sans couleur. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais dans ta chambre pour voir si tu n'étais pas découverte en dormant. Et je ne te trouve plus dans ton lit. Le jardin dormait encore, je l'ai surpris. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau un jardin qui pense pas encore aux hommes. Tu es sorti. J'étais à la porte du fond. Tu l'avais laissé entrebâillée. Dans les champs, c'était tout mouillé. Et cela attendait. Tout attendait. Je faisais un bruit énorme toute seule sur la route et j'étais gênée parce que je savais bien que c'était pas moi qu'on attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me recoucherai pas ce matin. À 4 heures. Il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir si elle ne s'est pas découverte. Et je trouve son lit froid et personne dedans. Je crois que si on se levait comme ça tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau nourrice d'être la première fille dehors. La nuit. C'était la nuit. Hein. Et tu veux me faire croire que tu allais te promener ? Menteuse. D'où viens-tu ? C'est vrai, c'était encore la nuit. Mais il y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux. J'ai cru au jour la première aujourd'hui. Fais la folle. Ah, fais la folle, hein. Je la connais la chanson. Hein. J'étais fille avant toi, hein. Et pas commode non plus. Mais t'es dure comme toi, non. D'où viens-tu, mauvaise? Non, pas mauvaise. Tu es un amoureux, hein. Dis non, peut-être. Oui, nourrice. Oui, le pauvre, j'ai un amoureux. Ah, c'est du joli, ça. Oh, c'est du propre. Sois la fille d'un roi. Donnez-vous du mal. Donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi.
à tatifer toujours devant la glace, à te mettre du rouge aux lèvres, à chercher à ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette gamine, elle n'est pas assez coquette. Toujours avec la même robe et mal peignée. Les garçons ne vont qu'ils se mènent avec ses rubans et ses bouclettes et ils me la laisseront sur les bras. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur. Et même pire encore, hypocrite. Qui est-ce? Hein? Un voyou, c'est ça? Un garçon que tu ne peux pas présenter à ta famille? Voilà, c'est lui que j'aime. Je veux l'épouser. C'est ça? Réponds donc, fanfaronne. Oui, nourrice. Et elle dit oui, Jésus, Marie, Joseph. Je l'ai eu toute gamine. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferai une honnête fille. Et bim! Mais bon, ça ne va pas se passer comme cela. Ton oncle Créon saura tout. Je le dirai moi-même, je te le promets. Oui, mon Créon saura. Laisse-moi maintenant. Et tu verras ce qu'il dira quand il apprendra que tu te lèves la nuit. Et Aimon? Et ton fiancé? Car elle est fiancée. Elle est fiancée. Et à 4h du matin, elle quitte son lit pour aller courir avec un autre. Donc tu devrais pas trop crier ce matin. Tu devrais pas être trop méchante. Pas crier? Je ne dois pas crier par-dessus le marché. Moi qui ai promis à ta mère, qu'est-ce qu'elle me dirait si elle est encore là? Mauvaise, oui, mauvaise. Toi qui n'as pas su me la garder pure, ma petite. Toujours là, à crier, à faire le chien de garde. À tourner autour d'elle avec des lainages pour qu'elle ne prenne pas froid. Ou des laits de poule pour les rendre plus fortes. Mais à 14h du matin, tu dors. Tu dors, toi qui ne peux pas fermer l'œil de la nuit. Et tu les laisses filer, marmotte. Et à 4h du matin, quand tu arrives, le lit est froid. Voilà ce qu'elle me dirait ta mère quand j'y monterai là-haut. Et moi j'aurais honte, honte à en mourir. Si je n'étais pas déjà morte. Et je ne pourrais que baisser la tête et répondre. Madame Jocaste. C'est vrai. Non, 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 tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. Et elle te dira, bonjour nounou. Merci pour la petite Antigone, tu as bien pris soin d'elle. Elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. Tu n'as pas d'amoureux. Non, nounou. Tu te moques de moi. Tu vois, je suis trop vieille. Tu étais ma préférée malgré ton sale caractère. Ta sœur était plus douce, mais je pensais que c'était toi qui m'aimais le plus. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Pourquoi ton lit était-il froid lorsque je suis venue te border? Ne pleure plus. S'il te plaît, non. Allons. Ma vieille bonne pomme rouge, tu sais, quand je t'ai frotté pour que tu brilles. Ma vieille pomme toute ridée. Laisse pas couler tes larmes comme ça. Je suis pure. Je n'ai pas d'autre amoureux qu'Aimon. Mon fiancé, je te le jure. Je peux même te jurer, si tu veux, que j'aurai jamais d'autre amoureux. Garde tes larmes. Garde tes larmes, t'en auras encore besoin. Quand tu pleures comme ça, je redeviens petite et faut pas que je sois petite ce matin. Antigone! Antigone! Tu es déjà levée? Oui. Je viens de ta chambre. Je suis déjà levée. Toutes les deux alors, vous allez devenir folles à vous lever avant les servantes. Vous pensez que c'est bon d'être debout le matin, Agen? Que c'est convenable pour des princesses? Vous n'êtes même pas couverte. Vous allez voir que vous allez encore me prendre mal. Ce matin. Laisse-nous nourrir ici. Il fait pas froid, je t'assure, c'est déjà l'été. Va nous faire du café. Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît. Ma colombe. La tête lui tourne d'être sans rien. Et je suis là comme une idiote au lieu de lui donner quelque chose de chaud. Vite. Ah. Tu es malade? Ce n'est rien, un peu de fatigue. C'est parce que je me suis levée tôt. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Faut que tu dormes. Tu serais moins belle demain. Ne te moque pas. Je ne me moque pas. Ça me rassure que tu sois belle ce matin. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse, tu te souviens? Je te barbouillais de terre. Je te mettais des vers dans le cou. Une fois, je t'ai attachée à un arbre et je t'ai coupé les cheveux. Tes beaux cheveux. Comme ça doit être facile de ne pas penser de bêtises avec toutes ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de la tête. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Je parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui. J'ai bien pensé toute la nuit. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Tu es folle, il nous ferait mourir.
Bien sûr. À chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir et nous, nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions ? Je ne veux pas mourir ! Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aînée, je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête tout de suite. Et tant pis, c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondérée. Il y a des fois où faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. Et d'abord, c'est horrible, bien sûr. Et j'ai pitié, moi aussi, de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je veux pas comprendre un peu. Il est le roi, Antigone, il faut qu'il donne l'exemple. Moi, je suis pas le roi, moi. Faut pas que je donne l'exemple, moi. Allez, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je veux pas avoir raison. Essaye de comprendre, moi. Comprendre? Mais vous avez tout ce mot-là dans la bouche depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on peut pas toucher à l'eau, à la belle, eau fuyante et froide parce que oh ben ça mouille les dalles, à la terre parce que ça tache les robes. Il fallait comprendre qu'on peut pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre. Courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre. Et boire quand on a trop chaud et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas quand, juste pas quand on en a envie. Comprendre, mais moi je veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Enfin, si je deviens vieille, pas maintenant. Il est plus fort que nous, Antigone, il est le roi. Et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils seront des milliers et des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Je t'écoute pas. Ils nous hurleront, ils nous prendront avec leurs mille bras, leurs mille visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure. Et il faudra avancer dans la haine sur la charrette. Avec leur odeur et leur rire jusqu'au supplice. Qu'on sent qu'on pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre qu'ils vont comme des nègres et qu'ils feront tout ce qu'on leur dit scrupuleusement sans savoir si c'est bien ou mal. Et souffrir. Il faudra souffrir. Sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point où on ne peut plus la supporter, qu'elle continue pourtant et monte encore, comme une voix aiguë. Je suis pas venue, c'est pour souffrir, ok? Je ne peux pas, Antigone, je ne peux pas! Comme tu as tout bien pensé. Toute la nuit? Pas toi? Si, bien sûr. Moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse. Moi non plus, mais qu'est-ce que ça fait? Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Pas envie de vivre? Qui se levait le matin? Rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue? Qui se couchait la dernière? Seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue pour vivre encore un peu de la nuit. Qui déjà toute petite pleurait parce qu'il y avait tant de petites herbes, tant de brins d'herbe, tant de petites bêtes et qu'on ne pouvait pas tous les prendre. Ma petite sœur. Ah non, elle ne me caresse pas. Ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble. T'as bien réfléchi, tu dis? T'as bien réfléchi? Ouais. Tu penses que toute la ville hurlante contre toi? Tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez? Oui. Sers-toi de ces prétextes. Antigone, je t'en supplie! C'est bon pour les âmes de croire aux idées et de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Une fille? Ouais. Déjà, c'est pleurer d'être une fille. Ton bonheur est là, devant toi. Tu n'as qu'à le prendre. Tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle! Non, je suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement. Tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les voyous dans la rue. Que c'est toi que les petites filles regardent passer soudaines muettes sans pouvoir te quitter des yeux jusqu'à ce que tu aies tourné au coin. Des voyous, des petites filles... Et moi, Antigone! Je parlerai tout à l'heure à Aimon. Aimon sera une affaire réglée. Tu es folle! Tu m'as toujours dit que j'étais folle. Pour tout, depuis toujours. Pas te recoucher. Le soleil se lève seulement, tu vois, et de toute façon, je pourrais rien faire. Mon frère, mort, est maintenant entouré d'une garde comme s'il avait réussi à se faire roi. Va te recoucher. Et toi? J'ai pas envie de dormir, mais je te promets que je bougerai pas d'ici avant ton réveil. Nourrice va m'apporter à manger. Va dormir encore. Je te convaincrai, n'est-ce pas? Je te convaincrai. Tu me laisseras te parler encore. Oui, je vous laisserai tous me parler. Va dormir. Tu serais moins belle demain.
Henri Smell. Tiens, te voilà des tartines et du bon café, mon pigeon. Mange. J'ai pas trop faim, Henri. Je te les ai grillés, beurrés, comme tu les aimes. Tu es gentille, Nounou. Je vais seulement boire un pot. Où as-tu mal ? Nulle part, Nounou. Mais fais-moi tout de même bien chaud comme lorsque j'étais malade. Oh, mon tête. Nounou, plus forte que la fièvre. Nous, plus forte que le cauchemar, forte que l'ombre de l'armoire qui ricane et se transforme d'heure en heure sur le mur, plus forte que les mille insectes du silence qui rongent quelque chose, quelque part dans la nuit, plus forte que la nuit elle-même avec son hurlement de folle qu'on n'entend pas, nous, plus forte que la mort. Donne-moi ta main, comme lorsque tu restes à côté de mon lit. Qu'est-ce que tu as, ma petite colombe ? Rien, Nounou. Mais fais-moi tout de même bien fais-moi tout de même bien chaud. Comme lorsque j'étais malade, tu te souviens ? Puis je crois que je suis encore un peu petite pour ça. Mais il n'y a que toi qui dois le savoir. Trop petite. Pourquoi, ma mésange ? Pour rien, Nounou. Et puis, tu es là, je tiens ta bonne main rugueuse qui sauve de tout. Toujours, je le sais. Tu es si puissante, Nounou. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, ma tourterelle ? Rien, Nounou. Seulement ta main, comme ça, sur ma joue. Voilà. J'ai plus peur, ni du méchant ogre, ni du marchand de sable, ni du méchant fillon qui passe et emmène les emplois fictifs. Nounou, tu sais, Marine, ma chienne. Oui. Tu vas me promettre que tu la gronderas plus jamais. Une bête qui salit tout avec ses pattes, ça ne devrait pas rentrer dans les maisons. Même si elle salit tout. Promets, nourrice. Alors, il faudra que je la laisse tout abîmée, sans rien dire. Oui, nourrice. Ah, ça c'est un peu fort. Puis, tu l'aimes bien au fond, Marine, avec sa bonne, grosse tête. Et puis tu aimes bien frotter aussi. Je serais si malheureuse si tout restait propre, toujours. Alors je te le demande, ne la gronde pas. Et si elle pisse sur mes tapis ? Promets que tu ne la gronderas tout de même pas. Je t'en prie, dis, Nounou, je t'en prie. Tu profites de ce que tu câlines. C'est bon ? C'est bon ? On essuiera. Tu peux tourner en bourrique. Et promets-moi aussi que tu lui parleras. Tu lui parleras souvent. A-t-on vu ça ? Parler aux bêtes ? Justement pas comme à une bête, comme à une vraie personne, comme tu m'entends faire. Ah ça non. À mon âge, faire l'idiote ? Mais pourquoi veux-tu que tout le monde lui parle comme toi, à cette bête ? Si pour une raison ou pour une autre, je pouvais plus lui parler. Ne plus lui parler ? Ne plus lui parler. Pourquoi ? Et puis, si elle avait trop l'air d'attendre, le nez sous la porte, comme lorsque je suis partie, faudrait peut-être mieux la faire mourir, sans qu'elle ait mal. Faire tuer Marine ? Ta chienne ? Mais... Tu es folle ce matin, ma petite. Laisse-moi. Et moi, arrive. Ah ! Et n'oublie pas ce que tu m'as juré. Ouais.
Pardon, Aimon. Pour notre dispute d'hier soir et... Et pour tout, c'est moi qui avais tort. Je te prie de me pardonner. C'est bien que je t'ai pardonné. À peine avais-tu claqué la porte. Ton parfum est encore là. Je t'avais pardonné. Où l'as-tu volé, ce parfum? À Ismen. La poudre. Le rouge à lèvres. La belle robe. Aussi. En quel honneur tu t'es fait si belle? Je te le dirai. Mon chéri, comme j'étais bête, tout un soir gaspillé, un beau soir. Nous aurons d'autres soirs, Antigone. Peut-être pas. D'autres disputes aussi. C'est plein de disputes, un bonheur. Un bonheur, ouais. Écoutez-moi. Oui. Ne ris pas ce matin, sois grave. Je suis grave. Et serre-moi. Plus fort que tu m'as jamais serré. Que toute ta force imprime dans moi. Là, de toutes mes forces. C'est bon? Écoutez-moi. Oui. Je voulais te dire ce matin, le petit garçon que nous aurions eu tous les deux. Oui. Tu sais, je l'aurais bien défendu contre tout. Oui, Antigone. Moi, je l'aurais serré si fort qu'il n'aurait jamais eu peur, je te le jure. Ni du soir qui vient, ni de l'angoisse du plein soleil immobile, ni des ombres. Notre petit garçon Aimon, il aurait une maman toute petite et mal peignée, mais plus sûre que toutes les vraies mères du monde avec leur vraie poitrine et leur grand tablier. Tu le crois, n'est-ce pas, toi? Oui, mon amour. Et tu crois aussi, n'est-ce pas, que tu aurais une vraie femme? J'ai une vraie femme. Tu m'aimes, Aimon. Tu m'aimes. T'en es bien sûr ce soir-là? Quel soir? Ce soir où tu es venu me chercher à ce bal, dans mon coin. Tu es bien sûr que tu ne t'es pas trompée de jeune fille? Tu es bien sûr que tu as jamais pensé depuis? Même une fois, même tout au fond de toi, que tu aurais plutôt dû demander Ismen. Lisiane ! Tu m'aimes, Aimon. Tu m'aimes comme une femme. Tes bras qui me serrent ne mentent pas. Tes grandes mains posées sur mon dos ne mentent pas, ni ton odeur, ni ce bon chaud, ni ce... cette grande confiance que j'ai quand j'ai la tête au creux de ton cou. Oui, Antigone, je t'aime comme une femme. Je suis noire et maigre, Ismen est blanche et dorée comme un fruit. Antigone. Bon. Je suis toute rouge de honte, mais... Mais faut que je sache ce matin. Quand tu penses que je serai bien à toi, est-ce que tu sens au milieu de toi comme quelque chose qui meurt, comme un grand trou qui se creuse? Oui. Bien, eh bien, moi je sens comme ça. Et je voulais te dire que j'aurais été très fière de ta femme, ta vraie femme, sur qui tu aurais posé ta main le soir en t'asseyant, sans penser, comme sur une chose bien à toi. Voilà, maintenant, je vais te dire encore deux choses. Et une fois que je te les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner.
Même si elles te paraissent extraordinaires, même si elles te font de la peine. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire. Sans même me regarder. Tu vois comme je te le demande là. Jure-le-moi. Je te le jure. Merci. Alors voilà, hier d'abord, tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'étais venue avec cette robe, ce parfum, ce rouge à lèvres. J'étais bête. J'étais pas très sûre que tu me désires vraiment et je voulais être un peu plus comme les autres filles pour te donner envie de moi. C'était pour cela. Oui. Et tu as ri. Et nous nous sommes disputés et mon mauvais caractère a été le plus fort. Je me suis sauvée. Mais j'étais venue chez toi pour que tu me prennes hier soir. Pour que je sois ta femme avant. Tu m'as juré ! Et mon tu m'as juré de ne pas me demander pourquoi. Tu me demandes pas pourquoi. D'ailleurs, je vais te dire. Je voulais être ta femme quand même parce que moi je t'aime comme cela. Très fort. Et que je vais te faire de la peine, mon chéri, pardon, mais jamais je pourrai t'épouser. Compris ? Sors, maintenant. Tu me parles pas, tu fais pas un pas vers moi. Tu comprends ? Tu sors, maintenant. Si tu parles, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par cette fenêtre. Tu comprends ça ? Je te le jure. Je te le jure sur la tête du petit garçon qu'on a eu tous les deux en rêve. Hein? Du seul petit garçon que j'aurai jamais. Pars. Pars, je te dis. Pars! Tu sauras demain. Tu sauras tout à l'heure. S'il te plaît, pars, Raymond. Voilà. C'est fini pour Raymond, Antigone. Antigone ? Antigone ! Antigone ! Ah, tu es là ? Oui, je suis là. Je ne peux pas dormir. J'avais peur que tu sortes et que tu tentes de l'enterrer malgré le jour. Antigone, ma petite sœur, nous sommes tous là autour de toi. Aimons, Nounou et moi, et Marine, ta chienne. Nous t'aimons, et nous sommes vivants, nous avons besoin de toi. Polynice est mort et il ne t'aimait pas. Il a toujours été un étranger pour nous, un mauvais frère. Oublie-le, Antigone, comme il nous avait oubliés. Laisse son ombre dure errer éternellement sans sépulture, puisque c'est la loi de Créon. Ne tente pas ce qui est au-dessus de tes forces. Tu braves tout toujours, Antigone, mais tu es toute petite. Ne va pas là-bas cette nuit. Reste avec nous, je t'en supplie, Antigone. C'est trop tard, Ismène, c'est trop tard. Quand tu m'as rencontrée ce matin, j'en venais. Antigone ! Antigone ! Antigone ! Entre tant de merveilles du monde, la grande merveille, c'est l'homme. Il parcourt la mer qui moutonne quand les tempêtes soufflent du sud. Il passe au creux des houles mugissantes et la plus ancienne divinité, la terre souveraine, l'immortelle, l'inépuisable. Une année après l'autre, il la travaille, il la retourne, alignant le sillon au palin de ses mules. Le peuple des oiseaux, race légère, et les fauves des bois, et la faune marine, il les capture au creux mouvant de ses filets. Cet inventeur de stratagème, il attire dans ses pièges le gros gibier des plateaux. Il court sous le collier le col crépu du cheval, ou le taureau démon dans le plein de sa force. Le langage et la pensée rapide,
comme le vent, les lois et les mœurs. Il sait tout enseigner sans maître, comme s'abriter des grands froids et des traits perçants de la pluie. Génie universel que rien ne peut prendre, au dépourvu du seul Hadès. Il n'élude point l'échéance, bien qu'à la case espérée, il ait trouvé des remèdes. Riche d'intelligence incroyablement féconde, du bien comme du mal, il en subit l'attirance. À la justice éternelle, il greffe les lois de la terre. Le plus haut dans la cité se met au banc de la cité. Et si dans sa criminelle audace, il s'insurge contre la loi, à mon foyer, dans mon cœur, le révolté n'aura jamais sa place. La race naît du racisme, et non le contraire. La façon dont on nomme les gens n'a jamais été une affaire de généalogie ni de physiognomie. Elle est plutôt une affaire de hiérarchie. Les différences de couleur de peau et de nature de cheveux remontent à la nuit des temps. En revanche, croire à la prééminence de la couleur de peau et de la nature des cheveux, penser que ces facteurs peuvent contribuer à l'organisation cohérente d'une société et reflète des caractéristiques plus profondes, indélébiles. Voilà l'une des nouvelles qui fonde ce nouveau peuple, qui a été conduit à croire contre toute évidence et de manière tragique qu'il est blanc.
Garde Jonas de la deuxième compagnie. Qu'est-ce que tu veux? Alors voilà, chef. On a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait, et le sort est tombé sur moi. Alors voilà, chef, je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il n'y en ait qu'un qui s'explique, et puis parce qu'on pouvait pas abandonner le poste tous les trois. On est les trois du piquet de garde, chef, autour du cadavre. Qu'as-tu à me dire? On est trois, chef. Je ne suis pas tout seul. Les autres, c'est Durand. Oui. Et le garde de première classe, Boudouce. Et pourquoi n'est-ce pas le première classe qui est venu? N'est-ce pas, chef? Je le dis tout de suite. C'est le première classe qui doit y aller. Quand il n'y a pas de gradé, c'est le première classe qui est responsable. Mais les autres, ils ont dit non et ils ont voulu tirer au sort. Faut-il que j'aille chercher le première classe, chef? Non, parle-toi, puisque tu es là. J'ai 17 ans de service. Je suis engagé volontaire. La médaille de citation. Je suis bien noté, moi, chef. Je suis service. Je ne connais que ce qui m'est commandé. Et c'est pour ça que mes supérieurs disent toujours, avec Jonas, on est tranquille. Parle! De quoi as-tu peur? Régulièrement, ça aurait dû être le première classe. Moi, je suis proposé première classe, mais je ne suis pas encore promu. Je devais être promu en... Vas-tu parler enfin? S'il est arrivé quelque chose, vous êtes tous les trois responsables. Ne cherche plus qui devrait être là. Eh bien, voilà, chef, le cadavre. On a veillé pourtant. On avait la relève de 2 heures, la plus dure. Vous savez ce que c'est, chef? Au moment où la nuit va finir, ce plomb entre les yeux, la nuque qui tire, et puis toutes ces ombres qui bougent, et le brouillard du petit matin qui se lève. Oh! Ils ont bien choisi l'horreur. On était là, on parlait, on battait la semelle. On ne dormait pas. Ça, chef, on peut vous le jurer qu'on ne dormait pas. Ah non, oui. D'ailleurs, avec le froid qu'il faisait... Tout d'un coup, moi, je regarde le cadavre. On était à 2 pas, mais je le regardais de temps en temps tout de même. Oui, parce que je suis comme ça, je suis méticuleux. Et c'est pour ça que mes supérieurs, ils disent toujours... C'est moi qui l'ai vu le premier, chef. Les autres vous le diront. Ah non, c'est moi qui ai donné le premier l'alarme. L'alarme? Pourquoi? Le caca... Le caca? Le cadavre! Quelqu'un l'avait recouvert. Oh, pas grand chose! Il n'avait pas eu le temps avec nous autres à côté. Seulement un peu de terre. Assez tout de même pour le cacher au retour. Tu es sûr que ce n'est pas une bête en grattant? Non, chef. On a d'abord espéré ça, nous aussi. Mais la terre était jetée sur lui. Selon les rites. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Qui a osé? Qui a été assez fou pour braver ma loi? As-tu relevé des traces? Rien, chef. Rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, Durand a trouvé plus loin une pelle. Oui. Une petite pelle d'enfant. Toute vieille, toute rouillée. On a pensé que ça ne pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup. Le première classe a tout de même gardé pour l'enquête. Un enfant. L'opposition brisée qui sourait mine déjà partout. Les amis de Polynice avec Laurent bloqués dans Thèbes. Les chefs de la plaie Pure Life soudainement alliés au prince. Et les prêtres essayant de pêcher un petit quelque chose au milieu de tout cela. Un enfant. Ils ont dû penser que cela serait plus touchant. Je le vois d'ici là, enfin, avec sa gueule de tueur à pointer, la petite pelle, soigneusement enveloppée dans du papier sous sa veste. À moins qu'il n'ait dressé un vrai enfant avec des phrases. Une innocence inestimable pour le parti. Un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils. Un précieux sang bien frais sur mes mains, double aubaine. Mais ils ont des complices. Dans ma garde, peut-être. Écoute bien, toi! Chef, on a fait tout ce qu'on devait faire! Durand, ici présent, s'est assis une demi-heure parce qu'il avait mal au pied. Non, oui. Moi, chef, je suis resté tout le temps debout. Le première classe vous le dira. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire? À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Écoute bien. Envoyez la relève. Voilà l'ordre. Je ne veux que vous près du cadavre. Et pas un mot. Vous êtes coupable d'une négligence, vous serez puni de toute façon. Mais si le bruit court dans la ville qu'on a recouvert le cadavre de Polynice, vous bourrez tous les trois. Chef, on n'a pas parlé, je vous le jure. Après, moi,
t'es ici. Et peut-être que les autres, ils l'ont déjà dit à la relève. Ah ! Ah ! Pitié ! J'ai deux femmes et deux enfants ! J'en ai un qui est tout petit. Vous témoignerez pour moi que j'étais ici devant le conseil de guerre, chef. J'étais ici, moi, avec vous. J'ai un témoin, moi. Si on a parlé, ce sera les autres, pas moi. J'ai un témoin, moi. Va vite. Si personne ne sait, tu vivras. Allez, viens, petit. Faut que nous allions écrire tout cela maintenant. Et puis, la jolie besogne commencera. Dis, petit, tu mourrais, toi, pour moi ? Tu irais avec ta petite pelle ? Oui, bien sûr. Tu irais tout de suite, toi aussi. Un enfant. Je t'écris dans ta 15e année. Je t'écris car cette année, tu as vu Eric Gardner se faire étrangler et tuer pour avoir vendu des cigarettes. Car tu sais désormais que Renisha McBride a été abattue parce qu'elle avait appelé à l'aide. Que John Crawford a été tué parce qu'il déambulait dans les rayons d'un grand magasin. Tu as vu des hommes en uniforme assassinés de leur voiture. Tammy Rice, un enfant de 12 ans, qu'ils avaient juré par serment de protéger. Tu as vu des hommes dans ce même uniforme
tabasser Marlène Pinocq, une grand-mère sur le bas-côté d'une route. Et tu sais à présent, si jamais tu l'ignorais encore, que les services de police de ton pays ont été dotés du pouvoir de détruire ton corps. Peu importe que cette destruction soit le résultat d'une réaction malencontreuse et excessive, peu importe qu'elle soit le fruit d'un malentendu, peu importe qu'elle découle de la stupidité de certaines lois, si tu vends des cigarettes sans en avoir l'autorisation légale, ton corps peut être détruit. Si tu manifestes de la colère contre ces gens qui essayent de l'enfermer, si tu empruntes un escalier trop sombre, ton corps peut être détruit. Les auteurs de cette destruction auront rarement des comptes à rendre. Pour la plupart, ils percevront leur retraite. Cette destruction n'est que la forme superlative d'une domination dont les prérogatives incluent la fouille, la détention, le passage à tabac et l'humiliation. Tout ceci est une histoire banale pour les Noirs. Tout ceci est de l'histoire ancienne. Personne n'est responsable. Alors voilà. Maintenant, le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commode dans la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que cela démarre. Rien. Un regard pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue. Une envie d'honneur un beau matin, comme d'un café ou d'une cigarette. Une question de trop qu'on pose un soir. C'est tout. Après, on n'a plus qu'à laisser faire. Ça roule tout seul. C'est minutieux. Bien huilé pour toujours. Tout est déjà là. Tout est prêt. La mort. La trahison. Le désespoir. Les éclats. Les orages. Les silences. Tous les silences. Le silence quand le bras du bourreau se lève à la fin. Le silence au commencement quand les deux amants sont nus l'un en face de l'autre pour la première fois dans la chambre sombre sans oser bouger tout de suite. Le silence quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur. On dirait un film dont le son s'est enrayé. Toutes ces bouches ouvertes, dont il ne sort rien. Toute cette clameur qui n'est qu'une image. Et le vainqueur, déjà vaincu, seul au milieu de son silence. C'est propre la tragédie. C'est reposant. C'est sûr. Dans le drame, avec ces méchants acharnés, cette innocence persécutée, ces traîtres, ces vengeurs, ces terres neuves, ces lueurs d'espoir. Cela devient épouvantable de mourir, comme un accident. Le bon jeune homme aurait pu arriver à temps avec les pompiers, on aurait peut-être pu se sauver. Là, on est tranquille. D'abord, on est entre soi. En somme, on est tous innocents, hein. Et il y en a un qui tue, et il y a l'autre qui est tué, mais c'est juste une question de distribution. Et puis surtout, c'est reposant, la tragédie. Parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir. Le sale espoir. On sait qu'on est pris. Qu'on est enfin pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos, et qu'on n'a plus qu'à crier. Pas à gémir. Pas à se plaindre. À gueuler ! À gueuler à pleine voix ce qu'on avait à dire et qu'on n'avait jamais dit ! Qu'on ne savait peut-être même pas encore ! Et pour rien, pour se le dire à soi, pour l'apprendre soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère s'en sortir. C'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est gratuit, c'est pour les rois,
Il n'y a plus rien à tenter. Enfin. Alors voilà, cela commence. La petite Antigone est prise. La petite Antigone va pouvoir être elle-même pour la première fois. Et ça va envoyer du très lourd. Allez, allez! Pas d'histoire! Vous expliquerez auprès du chef. Moi, je ne connais que la consigne. Ce que vous aviez à faire là, je ne veux pas le savoir. Tout le monde a des excuses. Tout le monde a quelque chose à objecter. Mais s'il fallait écouter les gens, s'il fallait essayer de comprendre, on serait propre. Allez, allez, tenez-la, vous n'entrez pas l'histoire. Moi, ce qu'elle a à dire, je ne veux pas le savoir. Voilà. Justice ! Justice ! Justice pour Polynice ! Justice ! Justice ! Justice pour Polynice ! Zied, Bouna, Théo et Adama, on n'oublie pas, on pardonne pas ! Zied, Bouna, Théo et Adama, on n'oublie pas, on pardonne pas ! C'est bon que ça s'aille ! Mais ne lâchez pas, vous autres ! Garde à vous ! Qu'est-ce que c'est ? C'est le piquet de garde, chef. On est venu avec les camarades. Qui garde le corps ? On a appelé la relève, chef. La relève ? Tu as appelé la relève ? Je t'avais dit de la renvoyer, la relève ! Je t'avais dit de rien dire ! Chef, on n'a rien dit ! Mais, comme on a arrêté celle-là, on a pensé qu'il fallait qu'on vienne. Et cette fois, on n'a pas tiré au sort. On a préféré venir tous les trois. Imbécile ! Où t'ont-ils arrêté ? Près du cadavre, chef ! Qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère ? Tu savais que j'avais interdit de l'approcher. C'est qu'elle faisait là, chef ! C'est pour ça qu'on vous l'amène ! Elle grattait la terre avec ses mains ! Elle était en train de le recouvrir, encore une fois. Sais-tu bien ce que tu es en train de dire, toi ? Chef, vous pouvez demander aux autres. On avait dégagé le corps à mon retour. Mais, avec le soleil qui chauffait, comme il commençait à sentir, on s'était mis sur une petite hauteur pas loin pour être dans le vent. On se disait qu'en plein jour, on ne risquait rien. Pourtant, on avait décidé, pour être plus sûr, qu'il y en aurait toujours un, deux ou trois qui le regarderaient. Mais, à midi, en plein soleil, et puis, avec l'odeur qui montait depuis que le vent était tombé. Ah, c'était comme un coup de massue. J'avais beau écarquiller les yeux. Ça tremblait comme de la gélatine. J'y voyais plus. Alors, j'ai au camarade lui demander une chic pour passer ça. Le temps que je me la cale à la joue, chef. Le temps que je lui dise merci. Je me retourne et elle était là, en train de gratter la terre avec ses mains. Elle était là, cette racaille, cette bouillon. En plein jour. Elle devait bien penser qu'on ne pouvait pas ne pas la voir. Et quand elle a vu que je lui courais dessus, vous croyez qu'elle s'est arrêtée? Qu'elle a essayé de se sauver peut-être? Non! Elle a continué de toutes ses forces aussi vite qu'elle pouvait, comme si elle ne me voyait pas arriver. Et quand je l'ai empoignée, elle se débattait comme une diablesse. Elle voulait continuer encore. Elle me criait de la lâcher, que le corps n'était pas encore tout à fait recouvert. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Chef, on a découvert le corps comme de juste. Et puis, on a appelé la relève, sans parler de rien. Et on est venu vous l'amener. Voilà, chef. Et cette nuit, la première fois, c'était toi aussi ? Oui, c'était moi.
avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage pendant les vacances. C'était justement la pelle de Polynice. Il avait gravé son nom au couteau sur le manche. C'est pour ça que je l'ai laissé près de lui. Mais là, la seconde fois, j'ai dû recommencer avec les mains puisqu'ils l'ont prise. On aurait dit une petite bête qui grattait. Même qu'au premier coup d'œil, avec la chaleur qui tremblait, le camarade dit « Mais non, c'est une bête !» Bon sûr que je lui dis ! C'est trop fin pour une bête ! C'est un animal ! C'est une fille. Tous des animaux, de toute façon, des animaux. C'est bien. On vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. Pour le moment, laissez-moi seul avec elle. Petit, conduis ces hommes à côté et qu'ils restent au secret jusqu'à ce que je revienne les voir. Faut-il lui remettre les menottes, chef ? Non. As-tu parlé de ton projet à quelqu'un ? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route ? Non, personne. Tu en es bien sûr ? Oui. Alors écoute bien, tu vas rentrer chez toi, te taire, faire ce que je te dis. Tu diras que tu étais malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. La nourrice dira comme toi, je ferai disparaître ces trois hommes. Pourquoi ? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère ? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais tout de même. Ce qu'on n'enterre pas erre éternellement sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Pominis, aujourd'hui, a achevé sa chasse. Il rentre à la maison où mon père, ma mère et Théorle aussi l'attendent. Il a droit au repos. C'était un révolté, un traître, tu le savais. C'était mon frère. Tu avais entendu Lady proclamer au carrefour, non ? Tu avais lu l'affiche sur les murs de la ville ? Oui. Tu savais le sort qui était réservé à celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres ? Oui, je le savais. Tu as peut-être cru que d'être la fille d'Oedipe, la fille de l'orgueil d'Oedipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi ? Non, j'ai pas cru ça. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone ! La loi est d'abord faite pour les filles des rois ! Si j'avais été une servante en train de faire la vaisselle, quand j'ai entendu lire Lady, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Non, non, ça n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir et tu serais restée à pleurer ton frère chez toi. Seulement, tu as pensé que tu étais de race royale. Ma nièce est la fiancée de mon fils et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me ferez mourir, au contraire. L'orgueil d'Oedipe. Tu es l'orgueil d'Oedipe. Maintenant que je l'ai retrouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir. Et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi, orgueilleuse. Pour ton père non plus, je ne dis pas le bonheur, il n'en était pas question. Le malheur humain, c'était trop peu. L'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père, et coucher avec votre mère, et apprendre tout cela après, avidement, mot par mot. Quel breuvage, hein, les mots qui vous condamnent. Et comme on les boit goût l'humain quand on s'appelle le Oedipe ou Antigone. Et le plus simple après, c'est encore de se crever les yeux et d'aller mendier avec ses enfants sur les routes. Eh bien non ! Ces temps sont révolus pour Thèbes. Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Créon. J'ai mes deux pieds par terre, mes deux mains enfoncées dans mes poches. Et puisque je suis roi, j'ai résolu, avec moins d'ambition que ton père, de m'employer à tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde si c'est possible. Ça n'est même pas une aventure. C'est un métier pour tous les jours et pas toujours drôle, comme tous les métiers. Mais puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. Et si demain un messager crasseux dévale du fond des montagnes pour m'annoncer qu'il n'est pas très sûr non plus de ma naissance, je le prierai tout simplement de s'en retourner d'où il vient. Je m'en irai pas pour si peu regarder ta tante sous le nez et me mettre à confronter les dates. Les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel, ma petite fille. Alors écoute bien. Tu t'appelles Antigone. Mm-hmm. Tu es la fille d'Oedipe, soit. Et tu as 20 ans encore. Il n'y a pas si longtemps, tout cela se serait réglé par une pince sec et une paire de gifles. Te faire mourir. Tu ne t'es pas regardé, moineau. Tu es trop maigre. Grossis un peu, plutôt, pour faire un gros garçon à Aemon.
Teb en a besoin plus que de ta mort, je te l'assure. Tu vas rentrer chez toi tout de suite. Fais ce que je t'ai dit et te taire. Je me charge du silence des autres. Allez, va. Et ne me foudroie pas comme cela du regard. Tu me prends pour une brute, c'est entendu. Tu dois penser que je suis décidément bien prosaïque. Mais je t'aime bien tout de même avec ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée il n'y a pas si longtemps. Antigone ! Ça n'est pas par cette porte qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là ? Vous le savez bien. Quel jeu joues-tu ? Je joue pas. Tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces trois brutes sait tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, je serai obligé de te faire mourir ? Si tu te tais maintenant, si tu renonces à cette folie, j'ai une chance de te sauver. Je ne l'aurai plus dans 5 minutes. Tu le comprends ? Faut que j'aille enterrer mon frère, que ces hommes ont découvert. Tu irais refaire ce geste absurde ? Il y a une autre garde autour du corps de Polynice. Et même si tu pars bien le recouvrir encore, on dégagera son cadavre. Tu le sais bien. Que peux-tu donc si on t'ensanglantait les ongles et te faire prendre ? Rien d'autre que ça, je le sais, mais... Ça, du moins, je le peux, alors... Faut faire ce que l'on peut. Tu crois donc vraiment cet enterrement dans les règles ? À cette ombre de ton frère condamné à errer toujours, si on ne jette pas un peu de terre sur le cadavre avec la formule du prêtre ? Tu l'auras déjà entendu à réciter au prêtre de table la formule ? Tu as vu ces pauvres têtes d'employés fatiguées, écourtant les gestes, avalant les mots, bâclant ce mort pour en prendre un autre avant le repas de midi ? Oui, je les ai vus. Tu n'as jamais pensé alors que si c'était un être que tu aimais vraiment qui était là, couché dans cette boîte, tu te mettrais hurlé d'un coup, alors crier de se taire, de s'en aller ? Si, je l'ai pensé. Tu risques la mort maintenant, parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué. C'est absurde. Oui, c'est absurde. Pourquoi fais-tu ce geste alors ? Pour les autres ? Pour ceux qui y croient ? Pour les dresser contre moi ? Non. Ni pour les autres, ni pour ton frère. Pour qui alors ? Pour personne, pour moi. Pauvre Antigone, tu as déjà l'air d'un petit gibier. Ne vous attendrissez pas sur moi, faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. J'aurais pas du courage éternellement, c'est vrai. Antigone, je vais te sauver. Vous êtes le roi, vous pouvez tout, mais ça, vous ne pouvez pas. Tu le crois ? Ni me sauver, ni me contraindre. Orgueilleuse ! Petite Oedipe ! Vous pouvez seulement me faire mourir. Ah oui ? Faire mourir. Oui. Si je te fais torturer ? Pourquoi ? Pour que je pleure ? Que je demande grâce pour que je jure tout ce qu'on voudra et que je recommence après quand j'aurai plus mal ? J'ai le mauvais rôle, c'est entendu, et tu as le bon et tu le sens, petite peste ! Il n'en profite tout de même pas trop. Si j'étais une bonne brute ordinaire de tyran, il y aurait déjà longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres aux tenailles ou jeté dans un trou. Mais tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite. Tu vois que je te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats. Alors tu nargues, tu attaques tant que tu peux. Où veux-tu en venir, petite furie ? Vous faites mal au bras avec votre main. Moi je suis plus fort comme cela. J'en profite aussi. C'est peut-être ce que je devrais faire après tout simplement. Te tordre le poignet et te tirer les cheveux comme on fait aux filles dans les jeux. Je suis ton oncle, c'est entendu, mais nous ne sommes pas tendres les uns pour les autres dans la famille. Et cela ne te semble pas drôle tout de même ? Ce roi bafoué qui t'écoute, ce vieil homme qui en a vu tuer d'autres, et d'aussi attendrissant que toi, et qui hélas donnait toute cette peine pour essayer de t'empêcher de mourir. Vous savez trop maintenant. Ça me fait même plus mal. J'ai plus de bras. Vous êtes odieux ! Oui, mon petit. C'est le métier qu'il veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Mais si on le fait, il faut le faire comme cela. Pourquoi le faites-vous alors ? Un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes. Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Tu allais dire non alors ? Je le pouvais ! Seulement, je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refuse un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. Bien tant pis pour vous. Moi, j'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi, votre politique, votre nécessité, vos pauvres histoires. Moi, je peux dire non encore à tout ce que j'aime pas et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement
me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi, Antigone. Si je veux, moi, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui, j'ai plus rien à apprendre de vous, pas vous. Tu m'amuses. Non, je vous fais peur. Vous savez que vous allez me faire mourir et c'est pour ça que vous avez peur. Vous serez tout de même plus commode de garder une petite Antigone vivante et muette dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran, voilà tout. Vous avez peur, vous le savez, et vous allez tout de même me faire mourir et... Vous le savez, hein, ça vous fait peur, mais tu vois, c'est laid un homme qui a peur. Bien oui. Oui, j'ai peur. J'ai peur d'être obligé de te faire mourir si tu t'obstines. Et je ne le voudrais pas. Moi, je ne suis pas obligée de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'aurez pas voulu peut-être refuser une tombe à mon frère. Dites-le que vous ne l'aurez pas voulu. Je te l'ai dit. Et vous l'avez tout de même fait. Et tout à l'heure, tu vas me faire mourir sans le vouloir. Et c'est ça, être roi. Oui, c'est cela. Pauvre crayon. Avec ma peur qui me tord le ventre, avec les blocs que tes gardes m'ont fait au bras. Moi, je suis reine. Alors aie pitié de moi. Vis. Le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres, c'est déjà assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes. Mon fils t'aime. Ne m'oblige pas à payer encore avec toi, j'ai assez payé. Non, vous avez dit oui, vous vous arrêterez jamais de payer maintenant. Mais bon Dieu! Essaie de comprendre une minute toi aussi. J'ai bien essayé de te comprendre moi. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Cela prend l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misères. L'équipage ne veut plus rien faire. Il ne pense qu'à piller la cale. Et les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau confortable, rien que pour eux, avec toute la provision d'eau douce pour tirer au moins leurs eaux de là. Le mât craque, et le vent siffle, et les voiles vont se déchirer, et toutes ces brutes vont crever toutes ensemble, parce qu'elles ne pensent qu'à leur peau, à leur précieuse peau et à leurs petites affaires. Crois-tu alors qu'on a le temps de faire le raffiner, de savoir s'il faut dire oui ou non, de se demander si on va pas payer trop cher un jour, et si on pourra encore être un homme après? On prend le bout de bois, on redresse devant la montagne d'eau, on gueule un ordre et on tire dans le tas sur le premier qui s'avance. Dans le tas! Cela n'a pas de nom. C'est comme la vague qui vient de s'abattre sur le pont devant vous. Le vent qui vous gifle et la chose qui tombe dans le groupe n'a pas de nom. C'était peut-être celui qui t'avait donné du feu en souriant la veille. Il n'a plus de nom. Et toi non plus, tu n'as plus de nom. Cramponné à la barre. Il n'a plus que le bateau qui a un nom et la tempête. Est-ce que... tu le comprends, cela? Je veux pas comprendre. C'est bon pour vous. Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non et pour mourir. C'est facile de dire non. Pas toujours. Pour dire oui, il faut suer et retrousser ses manches. Empoigner la vie à pleine main, s'en mettre jusqu'au coude. C'est facile de dire non. Il n'y a qu'à pas bouger, attendre. Attendre de vivre. Attendre même qu'on vous tue. C'est trop lâche. C'est une invention des hommes. Tu imagines un monde où les arbres auraient dit non contre la sève, où les bêtes auraient dit non contre l'instinct de la chasse ou de l'amour? Hein? Hein? Quel rêve, hein? Pour un roi, ce serait si simple! Tu me méprises, n'est-ce pas? C'est drôle, j'ai souvent imaginé ce dialogue, avec un petit jeune homme pâle qui aurait essayé de me tuer, dont je ne pourrais rien tirer après que du mépris. Mais je ne pensais pas que ce serait avec toi et pour quelque chose d'aussi bête. Écoute-moi pour la dernière fois, Antigone. Mon rôle n'est pas le bon, mais c'est mon rôle et je vais te faire tuer. Seulement, je veux que toi aussi tu sois bien sûr du tien avant de mourir. Tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone? Tu sais au bas de quelle histoire sordide tu vas signer pour toujours ton petit nom sanglant? Quelle histoire? Celle d'Éthéocle et de Polynice, celle de tes frères. Tu crois la savoir, tu ne la sais pas. Personne ne la sait dans Thèbes, que moi. Il me semble que ce matin, tu as aussi le droit de la savoir. C'est pas bien beau, tu vas voir. Que te rappelles-tu de tes frères d'abord? De compagnons de jeu qui te méprisaient sans doute, qui tricassaient tes poupées, se méprisant et se chuchotant éternellement des mystères à l'oreille l'un de l'autre pour te faire enrager. C'était des grands. Puis tu as commencé à les admirer avec leurs premiers pantalons longs, leurs premières cigarettes. Et puis, ils ont commencé à sortir l'homme. Ils ne t'ont plus regardé du tout. J'étais une fille. Tu voyais pourtant ta mère pleurer, ton père se mettre en colère. Tu entendais leur ricanement quand ils rentraient le soir dans les couloirs. Goguenard et Veul, sentant le vin. Une fois, je m'étais cachée derrière une porte. C'était le matin, nous venions de nous lever. Et eux, ils rentraient.
Polynis m'a vu, il était si beau dans son vêtement du soir, les yeux brillants. Il m'a dit, tiens, tu es là, toi? Et il m'a donné une grande fleur de papier qu'il avait rapportée de sa main. Et cette fleur, tu l'as conservée, n'est-ce pas? Hier, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir et tu l'as regardé longtemps pour te donner du courage. Qui vous a dit ça? Pauvre Antigone avec ta fleur de cotillon. Sais-tu qui était ton frère? Je savais que vous me direz du mal de lui, en tout cas. Un petit fêtard imbécile. Un petit carnassier dur et sans âme. Une petite brute, tout juste bonne à aller plus vite que les autres avec ses voitures, à dépenser plus d'argent dans les bars. Une fois, j'étais là. Ton père venait de lui refuser une grosse somme d'argent qu'il avait perdue au jeu. Il est devenu tout pâle à lever le poing en criant un mot ignoble. C'est pas vrai. Son poing de brute a tout volé dans la face de ton père. C'était pitoyable. Ton père, assis à sa table, la tête dans ses mains, il saignait du nez, il pleurait. Et dans un coin du bureau, Polynis, ricanant, qui allumait une cigarette. C'est pas vrai. Rappelle-toi, tu avais 12 ans. Vous ne l'avez pas revu pendant longtemps après, c'est vrai cela? Oui, c'est vrai. C'était après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Mais je vais te dire quelque chose à toi. Quelque chose que je sais seul. Quelque chose d'effroyable. Éthiocle, ce prix de vertu, ne valait pas plus cher que Polynis. Le bon fils avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. Le prince Loyal avait décidé lui aussi de vendre Thèbes au plus offrant. Oui, crois-tu que c'est drôle? Cette trahison pour laquelle le corps de Polynis est en train de pourrir au soleil. J'ai la preuve maintenant qu'Éthiocle, qui dort dans son tombeau de marbre, se préparait lui aussi à la commettre. C'est un hasard si Polynis a réussi son coup avant lui. Nous avions affaire à deux larrons foires qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant et qui se sont égorgés comme de petits voyous qu'ils étaient pour un règlement de compte. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux. Alors j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres. On les a retrouvés embrassés, pour la première fois de leur vie sans doute. Ils s'étaient embrochés mutuellement et puis la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus. Ils étaient en bouillie, Antigone, méconnaissable. J'ai fait ramasser un des corps, le moins abîmé des deux, pour mes funérailles nationales. Et j'ai donné l'ordre de laisser l'autre pourrir où il était. Je ne sais même pas lequel, et je t'assure que cela m'est complètement égal. Pourquoi m'avez-vous raconté ça? Allait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Peut-être, moi je croyais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seul ce matin. Va voir Raymond, marie-toi vite. Oui. Rien d'autre ne compte. Tu allais le gaspiller. Je te comprends, j'étais comme toi à 20 ans. C'est pour cela que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps un petit crayon maigre et pâle, comme toi, qui ne pensait qu'à tout donner lui aussi. Marie-toi vite, Antigone, sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. Tu vas me mépriser encore, mais de découvrir cela, tu verras. C'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur, non? Le bonheur? Un pauvre mot, hein. Quel sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse jour par jour pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites! À qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Tu es folle, tais-toi! Non, non, je me tairai pas! Je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, pour être heureuse tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie? Moi, je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes Aimon? Oui, j'aime Aimon. J'aime un Aimon dur et jeune, un Aimon exigeant et fidèle, mais si votre vie, votre bonheur, doivent passer sur lui avec leur usure, alors j'aime plus Aimon. Je ne sais plus ce que tu dis. Tais-toi! Si, je sais ce que je dis, mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant! Dans le royaume, vous ne pouvez plus rentrer avec vos rides, avec votre sagesse,
avec votre ventre. Bah tu te tais enfin! Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison? Tu crois que je le lis pas dans tes yeux que tu le sais? Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais parce que t'es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Ton bonheur? Le tien! Et le mien, oui, imbécile! Écoutez tous avec votre bonheur. Tous. Avec votre vie qu'il faut aimer, coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours si on n'est pas trop exigeant. Moi, je veux tout de suite. Tout. Et que ce soit entier. Ou alors je refuse. Commence. Comme ton père. Comme mon père, ouais. Nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus la petite chance d'espoir vivante. La plus petite chance d'espoir à étrangler. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand il le rencontre. Là. Votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. Si tu te voyais écrire en ces mots, tu es laide. Ouais, je suis laide. Hein. C'est laid, n'est-ce pas? Ces sursauts, ces cris, cette lutte de chiffonnier. Papa n'est devenu beau qu'après. Quand il a été bien sûr que c'était bien avec sa mère qu'il avait couché. Et que c'était bien son père qui l'avait tué. Et que rien, plus rien ne pouvait le sauver. Alors, il s'est calmé tout d'un coup. Il a eu comme un sourire. Il est devenu beau. Il n'avait plus qu'à fermer les yeux pour ne plus vous voir. Vos têtes, là. Vos têtes de candidat au bonheur, c'est vous qui êtes laid. Je t'en donne de te taire, maintenant. Même les plus beaux, vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil et de la bouche, là. Tu l'as bien dit tout à l'heure. La cuisine, Créon, la cuisine. Vous avez des têtes de cuisine. Tais-toi! Tu m'ordonnes de me taire, cuisinier? Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde. Tu veux donc te perdre, on va t'entendre. Bien, ouvre les portes. Ouvre les portes, justement, il faut m'entendre. Bah, tu te taires enfin, bon Dieu de merde! Allons vite, cuisinier, appelle-les, tes gardes, appelle-les, là! Antigone! 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 Qu'est-ce que tu veux, toi aussi? Antigone, pardon. Antigone, tu vois, je viens, j'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. Et où iras-tu avec moi? Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle! Ah non? Non! Pas toi! Pas maintenant, c'est moi! C'est moi seule! Tu ne te figures pas que tu vas venir mourir avec moi maintenant? Non, ce serait trop facile. Je ne veux pas vivre si tu meurs. Je veux pas rester sans toi. T'as choisi la vie, moi la mort. C'est tout. Laisse-moi maintenant. Avec tes jérémiades, là. Fallait y aller ce matin, là. Fallait y aller ce matin, dans la nuit, à quatre pattes, là. Fallait y aller gratter la terre avec tes ongles et te faire empoigner par eux comme une voleuse. Eh ben, j'irai demain. Demain? Tu l'entends, Créon? Tu l'entends? Qui sait si ça va pas prendre à d'autres en m'écoutant? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour me faire taire? Qu'est-ce que t'attends pour appeler tes gardes? Allons, vite! Cuisinier, cuisinier! Appelle-les, tes gardes, là! Allez! Allez, appelle-les, tes gardes! Puisqu'il le faut, là! Hein? Antigone! Emmenez-la! Enfin, Créon! Antigone! Enfin! Antigone, non! Tu es fou, Créon! Qu'as-tu fait? Il fallait qu'elle meure. Ne laisse pas mourir Antigone, Créon. Nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. C'est elle qui voulait mourir. Aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Polynice n'était qu'un prétexte. Quand elle a dû y renoncer, elle a trouvé autre chose tout de suite. Ce qui importait pour elle, c'était de refuser de mourir. C'est une enfant, Créon. Et que veux-tu que je fasse pour elle? La condamner à vivre? Paix! Oublie-la, Emma. Oublie-la, mon petit. Tu fous, père, lâche-moi. Elle a parlé maintenant, toute elle sait ce qu'elle a fait. Je ne peux plus rien pour elle. Père, je veux bien que ces hommes l'emmènent. Père, ne laisse pas ces hommes l'emmener! Je ne peux plus rien, Aymon.
Ils diront que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Je ne peux pas. On peut peut-être imaginer quelque chose. Dire qu'elle est folle. L'enfermer. Non. La foule s'est déjà hurlée autour du palais, je ne peux pas. Père, la foule n'est rien, tu es le maître. Je suis le maître avant la loi et non plus après. Père, je suis ton fils, tu ne peux pas me la laisser prendre. Si. Si, mon petit, du courage. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans elle? Crois-tu que je l'accepterai votre vie? Tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sans elle. Votre agitation, votre bavardage, votre vide sans elle. Il faudra bien, Emon. Chacun de nous, un jour plus ou moins triste, plus ou moins lointain, où il doit enfin accepter d'être un homme. Pour toi, c'est aujourd'hui. Et te voilà devant moi avec ces larmes au bord de tes yeux et ton cœur qui te fait mal. Mon petit garçon, pour la dernière fois. Quand tu te seras détourné, quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, ce sera fini. C'est déjà fini. Ne me juge pas, Emon. Ne me juge pas, toi aussi. Cette grande force et ce courage. Ce dieu géant qui m'enlevait dans ses bras pour me sauver des monstres des hommes. C'était toi. Cette odeur défendue. Ce bon pain du soir quand tu me montrais des livres dans ton bureau. C'était toi, tu crois? Oui, Emon. Tous ces sons. Cet orgueil. Tous ces livres pleins d'euros. C'était pour en arriver là, être un homme comme tu y es, trop heureux de vivre. Oui, Emon! Nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur, il faut seulement dire oui. Tu es encore puissant, toi, comme lorsque j'étais petit. Père, que je t'admire. Que je t'admire encore. Le monde est trop nu et je suis trop seul, je peux plus t'admirer. Nous sommes tous seuls. Le monde est nu et tu m'as admiré trop longtemps. Regarde-moi. C'est cela, devenir un homme. Voir le visage de son père en face un jour. Antigone! Créon. Il est sorti comme un fou. Ouais. Pauvre petit. Il aime. Créon, il faut faire quelque chose. Je ne peux plus rien. Il est parti, touché, à mort. Oui. Nous sommes tous touchés à mort. Chef! Ils envahissent le palais! La garde aux portes! Qu'on vide le palais! Reste ici avec elle, toi! Alors c'est toi? Qui, moi? Mon dernier visage d'homme. Tu crois? Que je te regarde? Ça va. C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure? Oui, c'est moi. Tu m'as fait mal? Tu n'avais pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver? Allez, pas l'histoire. Ça n'était pas vous, c'était moi qui y passais. T'as quel âge? 39 ans. T'as des enfants? Oui, deux. Tu les aimes? Cela ne vous regarde pas. Il y a longtemps que vous êtes garde? Après la guerre, j'étais sergent. J'ai rengagé. Faut être sergent pour être garde? En principe, oui. Écoute. Oui. Je vais mourir tout à l'heure. D'un côté, on a plus de considération pour le garde que pour les sergents d'active. Le garde, c'est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire. Comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas. Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Vivante? Oui, d'abord. Oh, tombeau! Oh,
marche souterraine. Toute seule. Aux cavernes d'Hadès. Aux portes de la ville. En plein soleil. Vous avez besoin de quelque chose, c'est différent, je peux appeler. Non, je voudrais seulement que tu remettes une lettre quand je serai morte à quelqu'un. Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Ah ça non! Pas d'histoire. Une lettre. Comme vous y allez vous, j'y resterai gros, moi, à ce petit jeu-là. Vous comprenez? Si on me fouille, moi, c'est le conseil de guerre. Non, ce que je peux faire, si vous voulez. Je peux écrire sur mon carnet ce que vous auriez voulu dire. Après, j'arracherai la page. De mon écriture, ce n'est pas pareil. Ton écriture, c'est... c'est trop laid. Tout ça, c'est... c'est trop laid. Ah ben, vous savez, si vous n'avez pas besoin de moi... Non, non. Écris. Mais fais vite, j'ai peur qu'on n'ait plus le temps. Écris, mon chéri. C'est pour votre bonne amie? Mon chéri. J'ai voulu mourir et... et tu vas peut-être plus m'aimer. Mon chéri, virgule. J'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Écrion avait raison, c'est terrible. À côté de cet homme, maintenant, je sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Et Créon avait raison. Virgule, c'est terrible. Oh, mon chéri. Notre petit garçon. Je le comprends maintenant combien il était simple de vivre. Et là, pas si vite. Comment voulez-vous que j'écrive? Moi, il me faut le temps. Où en étais-tu? C'est terrible maintenant à côté de cet homme. Je sais plus pourquoi je meurs. Je ne sais plus pourquoi je... On ne sait jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Non. Non, raye tout ça, c'est... Il vaut mieux que jamais personne ne sache. C'est comme s'il devait me voir nue et me toucher quand je serais morte. Mais pardon, mais seulement pardon. Alors je raye la fin et je mets pardon, c'est ça?
Oui. Sans la petite Antigone, vous aurez tous été bien tranquilles. Je t'aime. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est ça? C'est tout? Oui, c'est tout. C'est une drôle de lettre. Oui, c'est une drôle de lettre. Qu'est-ce qu'elle a adressé? Hé hey, là! Pas l'histoire! Fini pour Antigone. Maintenant, le tour de Créon approche. Il va falloir qu'ils y passent tous. La reine! Où est la reine? Que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre? Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas fini de rouler les derniers blocs de pierre, lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes sortir du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Créon, et lui qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. Enlevez les pierres, enlevez les pierres! Les esclaves se jettent sur les blocs entassés. Et parmi eux, le roi suant, dont les mains saignent. Les pierres bougent enfin, et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe.
et Aemon, à genoux, qui la tient en ses bras et gémit, le visage enfoui dans sa robe. On bouge un bloc encore, et Créon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre, au fond du trou. Il essaye de relever Aemon, il le supplie. Aemon ne l'entend pas. Puis soudain, il se dresse, les yeux noirs. Il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père avec ses yeux d'enfant lourds de mépris. Une minute sans rien dire. Puis soudain, il lui crache au visage et tire son épée. Créon a bondir de portée. Alors, Aemon le regarde avec ses yeux noirs. Et Créon ne peut pas éviter ce regard comme la dame. Aemon observe ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne. Et puis sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre et s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Mon Dieu. Bon ben voilà. C'est vrai, hein, sans la petite Antigone, ils auraient tous été bien tranquilles. Mais c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles, hein? Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose, ceux qui croyaient le contraire, même ceux qui ne croyaient rien, et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans y rien comprendre, morts pareil, tous bien inutiles, bien raides, bien pourris, et ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier et à confondre leurs noms. Antigone est calmée maintenant. Nous ne saurons jamais de quelle fièvre son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes et sur le palais vide où Créon va commencer à attendre la mort.